Top. Karajan must be close. We still need to locate him. Et salut à tous, c'est Iker. On est parti dans l'épisode 3 de Mark of the Ninja à la poursuite de Karajan. Alors il nous file une petite soluce, appuyer sur la flèche du bas et B. Mais pour aller où? Pour aller là? Time for some acrobatics. Use your chain to lower yourself until you can jump to that ledge. Ok, donc faut aller là, faut aller à droite. On sent comme ça. Et ensuite je saute. Ouais, ok, sympa, sympa. On est un véritable ninja quoi. Voilà. Ça passe. Quand ils sont dans le noir, ils ont vraiment le champ de vision indiqué. Hein. Quand ils sont dans la lumière, c'est pas tout à fait celui-là. On avait pu remarquer, ne repérer, non repérer. On n'est pas obligé de les taper. Donc on peut s'accrocher au mur comme ça, c'est plutôt. Enfin s'accrocher au plafond plutôt, hein, au mur. Même si le plafond est un mur. On peut dire en quelque sorte. Est-ce qu'on peut s'accrocher là? Ouais, on peut. On récupère un artefact. Récupérer. Et je pense pas qu'on puisse continuer. On va redescendre. Il y a une trappe là-bas, on va aller voir la trappe. Une trappe là en dessous. On voit ça clignote. Normalement il m'entend pas, on va coller au mur comme ça et voilà. C'est quoi ça? Un chien? Steer clear of the dogs. They can sniff you out even in the darkness. Ah, ça signifie que si je me cache derrière le truc là, il me verra. Donc on va passer par au-dessus, puisque quand il y a les trucs comme ça sur le plafond, ça signifie qu'on peut passer. Est-ce que je peux... Ah oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. On va attendre le prochain coup. Et on va essayer de voir si on peut passer. Et là on peut pas, on peut pas. On sait même pas ce qu'il y a là-bas, c'est génial. On va attendre. On y va. On est passé. Ou j'ai eu peur. Le plus de sang vous fait flipper. Alors on a l'impression que vous êtes vu, mais en fait pas du tout. Ouais, donc c'est bien par là. Il n'y a pas de trappe cette fois-ci. Là, il y a un mec. Casser la lumière, je pense. Je pense qu'il faut casser la lumière. On fait des points même quand on fait attention à des tours. Mais on passera pas en disant non repéré ou un truc comme ça, je pense. Faut attendre que le point d'interrogation soit terminé, qu'il retourne à sa place. Ça fait peur. À un moment, j'ai eu la lampe sur moi. Et là, est-ce que je peux sauter? Il m'a pas vu. Et je pense que si j'éteins pas la lumière, il me voit. Faudrait tester. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de tester. Parce qu'il y a des choses que je suis pas forcément au courant à 2000%. Mais je pense que c'est comme ça qu'il fallait passer. Hein. Je sais pas si on pouvait passer autrement. Donc il y a des conduits. Il va falloir les atteindre. Et il y a un chien qui est endormi. Et un garde qui fait gauche à droite et qui se retourne. Okay. On va attendre. Dès qu'il se retourne là, je descends. Hop. Hop. C'est bon, on est large. Alors j'espère que le chien... Ouais, le chien est endormi, donc il ne sent pas en dessous. Ok, on est passé. Et là, là il y a des gardes. Ok. Et faut aller dans le conduit qui est à côté. Ok. Ok, ok, on va casser les lumières, je pense. En plus, ça les alerte pas. Ça va réveiller le chien. Aussi, ça réveillait le chien. On les casse rapidement et on descend. Et on descend. Oh, le chien. Calme-toi. Calme-toi, tout doux. J'ai pas dans mes armes nonos. Pour lui donner un petit nonos pour qu'il nous oublie. Bon, il y a carrément un mec, le garde qui est venu avec le chien. Là, on croise les doigts.
Non, il est reparti. Non, le chien il fait des allers-retours et le garde il est reparti, je crois. Le garde est reparti. Par contre, il y a la porte qui est ouverte. Ouah, c'est chaud. J'ai envie d'aller fermer la porte. Je vais fermer la porte. Hop. Et là, est-ce que je peux faire ça? On va pas se coller au mur. Je suis obligé d'appuyer sur, sur RT. On a vu l'onde de choc, elle est pas passée loin. Bon, on passe par là, hop, voilà. Je pense qu'il faut péter les lumières. Je pense qu'il fallait péter les lumières. On continue. À gauche. À gauche, il y a quelque chose. Ah, là, il va me voir. J'espère qu'il n'y a rien à gauche. Non, il n'y a rien à gauche. Faut aller en haut à gauche. La lumière, est-ce que ça vaut le coup de la casser? On peut remonter là-haut. Est-ce que l'onde de choc l'entend? Est-ce qu'il entendra l'onde de choc en théorie? Non. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Alors on peut aller à droite. Il faut qu'on aille là-haut. On va là-haut. Voilà. They're locking the doors. Try to pick the lock. Il verrouille les portes. B. Ah oui, il faut maintenir appuyé B. Ok. Essaye de verrouiller la porte. Ok. Il y a rien derrière. Ah si, il y a une sorte de forme de lion là, mais. On est dans la lumière au cas où. Il y a l'air d'avoir rien derrière. Hop. Il n'y a rien. Merde, pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Hop. Bah attends. Là on peut monter. Alors en théorie il nous voit pas. En théorie je dis bien. S'il nous voit. Je suis deg. Non, il nous voit pas. Non repéré. Ah bah là si je shoot il va m'entendre. Je fais comment? Je sais pas. On va sauter. Hop. Et ça passe. Bon. On essaye des choses. On essaye des choses et ça passe. On va monter par là-haut. On arrive à un point de sauvegarde. C'est cool. Allez, corbeaux, nous font repérer. Le mec, il se balade avec un shield comme ça sur un toit. Normal, quoi. Normal. 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 Un shield et un pistolet. Bien casser la lumière. Ok. Comment je passe là-bas? Retourne-toi. Allez. Allez, retourne-toi. Je fais comment pour le faire se retourner? Il se retourne pas. Est-ce que je peux m'approcher, passer en dessous de lui? Non. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut aller? Pas l'impression. On peut aller là, mais... Non, c'est pas du tout là qu'on a, là. Il y a peut-être un artefact, quelque chose, mais... C'est pas la mission. Ouais, donc je pense que c'est ça. Voilà. C'est ça. On se le fait? Allez, on se le fait. Plus 400. Assassination, si vous voulez. On cache le cadavre. On cache le cadavre. Je suis là. On descend. Ouais, on peut aller par là. Là. Est-ce qu'il se retourne par quoi? Allez. Ah, il y a l'autre. Ok. On peut se coller là au mur, là. On peut continuer. Sympa cette nouvelle là aussi, pareil. Alors en espérant que ça passe, hein, que la lumière nous éclaire pas. En théorie c'est bon. On passe par là. Oh les corbeaux. Oh les corbeaux qui font flipper. Ah, je vais pouvoir dépenser mes points. J'en ai 7.
Alors j'ai celui-là, lorsque tu te balances à un point d'accroche, tu peux tuer. Et celui-là, c'est quand on est sur un... c'est quand on est suspendu au bout d'un truc. Donc je pense que je vais prendre celui-là, vu qu'on a découvert un peu le... On peut se faufiler, passer et s'attacher au truc. C'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment. Il y a beaucoup de choses quand même à débloquer. Hein. Objet sonore, ok. Objet d'attaque, super. C'est vrai que pour le moment on fait plus de l'infiltration, on n'a pas vraiment d'objet d'attaque, tout ça, tout ça. Peut-être qu'on en aura plus tard. C'est vrai que pour le moment c'est vraiment infiltration, infiltration. On essaye d'éviter de se faire découvrir. Look at all the guards patrolling near that tower. And see those antennas on the roof? It must be a communication tower. Ok. There could be something inside to help us find Karajan. Karajan, Karajan. Let's go. Let's go, guys. Alors, faut aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Ça va être le chemin de croix, là. Ça va pas être facile. Il y a des gardes partout. Déjà, est-ce que je peux descendre? Génial. On est bloqué au début. Est-ce que je le tente? Je tente le saut. Est-ce que j'ai un parachute qui va se dé... qui va s'ouvrir? Ah non, ah oui, carrément, on pouvait faire ça. Trop de bol. En bas, il y a un artefact, on va aller le chercher. On pourra, tu sais, il saute, hop. Et il remonte, hop. Hop. On peut passer par divers endroits. C'est ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est qu'on peut passer par plusieurs endroits. Ouais, ici je vois pas comment on passe. On saute, on est vu. Ah, mais j'ai les autres trucs. Ouais. Je peux essayer de... Je peux essayer de les appâter d'un côté, mais est-ce que ça va m'aider? De passer par là. On peut essayer de monter. Voilà, pas tout à fait ça que je voulais faire, mais on l'a fait. Donc là, on pourrait sauter une fois qu'il est passé en côté de moi. Non, il a entendu quelque chose. On va aller retourner se planquer et puis on va revenir. Il ne voit plus là. Oups. Ouais, on l'essaye hein, de faire la mission sans se faire voir, mais c'est pas facile, hein. Pas facile. C'est bon, ils nous ont lâché. On va essayer de passer par la trappe alors. Par la trappe. There's nothing here. Par la trappe, je peux essayer de le tuer. Ouais, mais il se retourne l'autre. On va attendre qu'il se retourne et je le tue. Oh, et on le travaille avec nous. Trop bien. Plus 600, d'accord. Ah, le mec va se dire non, non, tout à fait normal. Il est parti pisser sans doute. Je sais pas. En l'espace de 5 secondes, sans qu'il lui dise. Pas de soucis. Tranquille, pépère. Voilà. On est passé, on a fini par passer, on a trouvé une solution. Ça va, ça va. Ouais, on peut passer par là, y'a rien. Hop, au pire, on éteint. Ah, c'est pas ça que je vais faire. C'est la fléchette. Tac. On sait jamais, hein, il peut y avoir 10 mecs qui nous tombent sur le dessus. Et avoir éteint la lumière nous sauvera peut-être la vie. Bon, vaut mieux prévenir que guérir. Vous connaissez l'adage. Donc là, a priori, on peut monter tranquille. Hein. Voilà.
Là, il y a un mec endormi. Est-ce qu'on peut passer à côté? Est-ce qu'on teste de passer à côté? Parce qu'il est endormi. Ou est-ce qu'on le tue direct? J'ai envie de vous dire... Vaut mieux le zigouiller, on fera plus de points. Par contre, on se... Voilà. On va le zigouiller, je pense. Voilà. Ah, j'ai raté! J'ai raté mon kill. Ah. Ok. Ok, donc c'est là qu'il faut que j'aille, mais c'est pas par là apparemment. Hey, I heard you were on the ninja raid. Est-ce que ça passe là? Est-ce que ça passe? Oui, normalement l'onde de choc ne les réveillera pas, ils sont trop loin. Enfin, les réveillera pas. Ne me verra pas parce qu'ils sont trop hauts. Voilà, 200 non repérés. La lumière, on peut pas l'éteindre. Donc on va attendre que la lumière passe. Oh, il se retourne pile à ce moment-là. J'ai eu la peur de ma vie là. Détruire le truc, voilà. Ouais, on va éteindre des trucs en même temps, on sait jamais, hein. Si a... ouais. Tu viens pas, tu viens pas. Hop. We're picking up a bogey on the perimeter. Get the count ready to evacuate just in case. Oh, and we left this tracking device in building 6. It's clear. You know, the little gizmo that c'est bon, il nous a pas vu. Il nous a pas vu. Faut aller. That's it. If we get our hands on the tracking device, it'll lead us straight to Karajan. Karajan. Ah oui. Il faut aller là. Faut aller là. Faut donc aller à droite. Hop, on ouvre. Et on est parti. Hein? Comment il m'entend là? Il m'a entendu? Mais j'ai rien fait. On éteint la lumière, voilà. Ah, et les mecs en haut, ils ont entendu aussi. Génial! On s'est pas fait voir. Mais il nous a vu, il nous a entendu. On peut peut-être le tuer. On zigouille? Non, on attend. Qu'est-ce qui se retourne? All clear, let's move on. Bon, on va le choper, on va le choper, ce sera plus facile. Voilà, un assassinat parfait. Un assassinat silencieux, un assassinat, hein. Et non pas un assassinat. Faut rajouter, faut complexifier les mots de la langue française. Le petit chien-chien, on n'a pas de nonos, donc on fait attention. Ah ouais, ok. Ça va pas être facile. Il y a le chien, heureusement qu'on l'a tué le mec. Je sais pas comment ça aurait été si on l'avait pas tué. Voilà. Alors en dessous les chiens nous reniflent pas, c'est juste au-dessus en fait l'onde de choc. D'accord, donc dans les égouts tout à l'heure on était tranquille quand on est passé au en dessous d'un. Did I hear something? Oh non. Les corbeaux qui me niquent. Mais il va s'enlever son point d'exclamation. Oh, on peut faire ça. Faut faire ça en fait, faut les tuer. Ah ouais, mais il regarde vers là. Oh non, c'est bugué. Pourquoi il a le point d'interrogation perpétuel là? Ou j'ai le zigouiller dans le dos, je pense. Quand il y a le chien n'est pas là. Je pense que c'est la solution. Après, le chien va faire... Oh, bah mon maître, je sais pas où il est parti. Parti pisser encore, sans doute. Débile d'humain. Il peut pas pisser derrière un arbre. Voilà, comme moi je fais. C'est ça que le chien se dira, bien évidemment, si je tue son maître. Attention. On attend... On la joue safe. C'est un berger allemand quand même. T'as pas envie de l'énerver. Hein. Le ninja peut défoncer des êtres humains. Mais il a peur du berger allemand. Faut descendre. Hall clair, hall pass. Passe là. Ah, le chien renifle et on entend le. On a des sens assez aiguisés quand même. Hein. On est 30 mètres plus bas, on entend le chien renifler. Ouais, plutôt fort. Mais ça, je vous l'avais, vous le savez, hein, je suis plutôt fort.
comme jeu idéal. Hey, look at this. One of our scouts left behind some equipment. Ouais, bien évidemment. En plein milieu. Bon, il y a un mec, il est venu il y a 3 semaines. Il a posé une caisse là pour au cas où, si dans 3 semaines, on se fait attaquer par Karajan et qu'on doit le tuer. Logique. Logique. Donc apparemment, ça sert à camoufler. Voilà, on le récupère comme de par hasard, juste avant. Donc c'est parfait, hein. Mais c'est plutôt cool comme truc. Et on va regarder ça. There. He set it to the tracking device. If we follow him, he'll lead us straight to it. C'est lui, Karajan? Voilà, c'est terminé pour l'épisode 3. J'espère que vous l'avez apprécié. On a découvert pas mal de choses dans cet nouvel épisode. Les chiens, on a découvert qu'on pouvait vraiment faire Spider-Man sur les plafonds. Et on a découvert les bombes fumigènes qu'on va sans doute devoir utiliser pour la suite de la mission. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce positif et un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et dites-moi si vous avez acheté le jeu ou si vous voulez le tester. On se quitte avec un proverbe de ninja que j'aime particulièrement. L'ombre est ta seconde peau, la ruse ta meilleure arme et ta lame ton dernier recours. Allez, salut!